sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit, comme vous le savez déjà. Ça fait un paquet de temps que j'ai pas filmé. Je sais, j'avoue, c'est vrai, ça fait un bon bout de temps. Mais c'est pour la bonne cause. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai pas filmé depuis un certain temps. Qu'est-ce qui me prend autant de temps du coup pour ne plus avoir le temps de vous filmer des tutoriels. J'ai déjà parcouru pas mal de mouvements très gymniques. Là aujourd'hui, on va parler d'un autre mouvement qui est gymnique aussi, mais beaucoup au poids de corps. On va parler du pistol squat. Le pistol squat, c'est un peu la bête noire de beaucoup d'athlètes, de beaucoup de personnes qui pratiquent le crossfit régulièrement ou de temps à autre. Pourquoi? Parce que pour faire du pistol squat, il faut deux choses que les gens n'ont pas forcément. Il faut de la force dans la chaîne postérieure, donc dans les ischios jambiers et les fessiers. Et en plus de ça, il faut une bonne mobilité des ischios pour que la jambe ne touche pas le sol et pour qu'elle soit levée. Du coup, tout ça, c'est du boulot. Si un jour vous voulez avoir les pistol squats, ben, il va falloir pratiquer ce mouvement-là. Et pour pratiquer, je vais vous donner plusieurs pistes pour pouvoir faire un pistol squat adapté, donc scripté. Je vais vous donner plusieurs progressions pour y arriver et je vous conseille de pratiquer ce mouvement régulièrement de façon à pouvoir y arriver un jour. C'est ce que je vous souhaite. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de mobilité parce que du coup, si vous avez les ischios et la chaîne postérieure raide, il en voit de soi que le pistol, il va être vraiment compliqué à avoir. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire dans cette première partie. Puis ensuite, on travaillera la progression du pistol squat. Voilà, une fois que je me suis bien étirée la chaîne postérieure, que mes ischios sont bien détendus et mes mollets également, je vais pouvoir commencer ma progression. Thank you.
tous ces conseils vous aura servi. J'espère encore une fois vous avoir apporté mon aide au mieux possible. Dernière chose, je vous conseille vivement d'aller sur mon site internet DouniaNHR. Je vous mets donc l'adresse juste en dessous. N'hésitez pas à y aller. Je propose des programmations sur la gymnastique. J'aborde le muscle up, j'aborde le handstand, le handstand walk, j'aborde les HSPU, le butterfly. Si à un moment vous ne gérez pas, et ben retrouvez-vous sur ce site-là qui vous propose des programmations de 5 semaines avec 3 séances par semaine juste pour progresser dans ce mouvement-là avec plein d'exercices et des petites séances qui ne dureront pas plus de 20 minutes. Voilà. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est mon site internet, je l'ai fait avec le cœur. Je l'ai fait, voilà, tout ce que vous retrouvez dans les tutos, vous le retrouvez aussi sur ce site internet-là. Donc voilà, en mieux, j'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto, j'espère très bientôt. Bye.